Alors, il faut que j'aille dans les égouts. Et visiblement, vous voulez toujours pas m'afficher la carte. Hein. C'est quoi, c'est ici les égouts? Oh, putain. Accéder aux égouts. Eh ben, c'est parti. C'est quel bouton déjà? Je sais même pas. Hop. Alors, les égouts, c'est là le GCPD? Non. Pas ça? Si. Ça m'énerve qu'ils me mettent pas ma carte. Pourquoi est-ce que tu me mets ici? Ah, c'est parce qu'il y a des points, à mon avis, à débloquer. Eh ouais. Bon, allez, on va dépenser les points, comme ça il sera content. Armure de combat 4. Sans contre-critique. Pour infliger le double de dégâts de contre, ajouter deux coups à votre combo. Bah tiens, allez, hop. Combien il m'en reste? 2. Ah oui, d'ailleurs, je crois que les points, ils sont pas valables dans tous les trucs. 2 points. Pas sûr. Attaque planée. Exécuter une attaque planée. À grande vitesse sur un seul ennemi. Frappez-le à votre distance maximale pour mettre KO immédiatement. Élimination depuis une corde. Ah, ça peut être intéressant. Du coup, ça m'enlève un point ou pas? Ouais, il n'y en a qu'un, ouais, d'accord. Et dans l'autre, amélioration auxiliaire. Tout est verrouillé, ce que je vois, d'accord. Bon, on va dépenser le point ailleurs. Allez, temps d'étourdissement, on s'en fout. On aura bien y passer. Voilà, comme ça, quand je ferai back, select. Ah, c'est derrière moi. Le GCPD, il est là-bas. Il me raconte. Si, c'est beaucoup plus loin que ça alors. What the fuck? Oh, je l'ai éliminé, je sais pas comment. Mais il a absolument pas voulu faire ce que je lui demandais. Encore une fois. Ah, c'est par là. Par contre, pourquoi ça a l'air d'être pas ici? Ça a l'air d'être tellement pas ici que ça a pas l'air d'être ici. Je pense que c'est là. Et je pense que c'est là. Voilà. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des explosifs. D'accord. Je me rappelle plus du tout de ce qui se passe ici. C'est quoi le truc à concussion, c'est ça? Balle fumigène. J'ai pas encore le truc pour geler, j'ai l'impression. Je dois pas avoir encore le truc pour geler. Bizarre. Ce sont des hommes de Black Mask. C'est pas le genre de type que je m'attendais à croiser dans les airs. Et visiblement, il y a des ninjas dans le tas. Au moins, il a envoyé un pro des arts martiaux pour nous défendre. Nous défendre contre quoi? Les rats? Non, Batman, crétin. Batman. Mais oh. Comment tu... Dommage. J'étais sûr qu'il y en avait un qui essayait de me frapper là. Ah la vache! Par contre, je vois un petit peu rien là, les gars, donc on va aller un petit peu plus loin. Me voilà. Oh putain, j'ai pas eu le temps de voir le contre.
Mais j'ai appuyé là. Je comprends pas trop, à des moments j'ai l'impression qu'il tape plus de fois que d'habitude, des fois moins de fois. Tiens, ça te calme ça. Voilà. Bon, c'était pas terrible, mais on a survécu. Alors. Ah, c'est pas une porte ça. Ça par contre c'est une porte. Et d'ailleurs, je vois que tu veux pas me faire passer à travers. D'habitude, les planches de bois, tu voulais bien. Oh, ces environnements, ils sont tellement bien travaillés. J'imagine que ça allait me blesser si je me loupais là. Au revoir. Ah, il tombe. Plouf. Au revoir. Alors, je sais plus du tout. Ouais, ça a l'air d'être par là. Hein. Ça va, il avance vite. Il avance vite, je trouve. Contrairement à d'autres jeux où on fait des corniches, où ça met deux plombs. Mais c'est Batman, là. C'est Batman. Voilà. Ensuite ça. Attention, j'arrive. Cassage de gueule en règle. Ah, il est déjà par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Y'a rien d'autre sur la corniche. Ah, y'a un petit truc là. Oh, ça m'énerve. Ces vibrations de merde, ça m'énerve. D'accord, ça a ouvert ça en bas. Du coup, est-ce que j'ai tout fini au-dessus? Oui, hein, y a pas de... Ah, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, d'accord. Ok, donc j'ai fini ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est travaillé, quand même. Ces environnements, c'est incroyable. Incroyable, ça donne vraiment le change, en tout cas, si c'est pas très bien fait. Et... Coucou. Je m'essuie les pieds, je suis désolé. Aïe. Je m'essuie les mains aussi, visiblement. Ou les poings, comme on veut. Voilà, ça c'est fait. C'est presque de la peine. Ouais. Il y a deux passages. Ok. Je suis sous le GCPD. Pourquoi les hommes de Black Mask posent des explosifs ici? Il a toujours eu les flics dans la poche. J'arrive! Tu m'as fait.
Je crois pas qu'il a cassé mon cou. Putain, j'ai donné le coup juste avant. Hein. Enfin, le contre. Il a pas voulu faire le double contre, hein. Oh, les ennemis spécifiques, là, je les aime vraiment pas. Hein. Je suis vraiment très mauvais. Hein. D'accord, toi, je t'ai contré, mais... Viens par ici. Oh bordel. Maman répétait que je ferais un bon boucher. Je suis même excellent. Allez. Putain. Ah putain, la vache, c'est chaud, hein. On a mis plusieurs ennemis bien l'aise en même temps. Mais en fait, j'ai pas compris là. Le mec, je lui fais un compte, mais je l'attaque pas, je l'évite, c'est tout. Ah, le salaud. Maman, les câbles que vous recherchez passent juste dans la pièce où vous vous trouvez. Alfred, avons-nous accès à la base de données nationale des criminels? Connexion confirmée. Vous pouvez procéder à l'analyse ADN. J'envoie aussi le dossier de la police pour l'affaire des Lacey Towers. Cette photo date du jour du meurtre. Ça correspond parfaitement. L'ADN en dit plus sur l'histoire. Et voici ce que la police a négligé. Roman Sionis est le propriétaire de la banque d'affaires de Gotham. Et il a installé une sécurité biométrique que lui seul peut franchir. Alfred, j'ai assez d'informations pour résoudre la question des Lacey Towers. Voilà ce qui est arrivé. Pour l'instant, la police de Gotham croit que Roman Sionis est mort. À cause d'une guerre de gangs. Tué par le Pingouin. Mais je sais que c'est faux. Quelqu'un a effrayé la petite amie de Sionis. Alors il l'a mise en lieu sûr. C'est cool, ça. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Sionis est arrivé plus tard. Prêt à se battre. Mais pas assez. Apparemment. Roman a toujours été paranoïaque. C'est pour ça qu'il a tenu si longtemps. Il avait envoyé un leurre. Afin de profiter de l'effet de surprise. Mais ça n'a pas suffi. Il s'est battu.
Et il a perdu. Le tueur n'a pas hésité à tirer sur le leur, mais il voulait Roman vivant, afin d'accéder à l'argent de la banque d'affaires de Gotham. Une fois Sionis maîtrisé, il ne restait plus qu'à régler... quelques détails. Quel genre de monstre peut forcer un homme à tuer les gens qu'il aime ? Le Joker. C'est l'ombre que je poursuivais. Je sais où je dois aller. La banque d'affaires de Gotham. Cool, ça. Alfred, voyez si vous trouvez des informations sur une personne appelée le Joker. Tout de suite, monsieur. On dirait que je ne trouve rien. Qu'est-ce que vous savez sur lui ? Pas grand-chose. Mais il a pris Black Mask en otage. En otage ? Alors, Sionis n'est pas mort ? Je ne crois pas. D'après ce que je sais, il est plus utile au Joker vivant. Le Joker veut l'utiliser pour pénétrer dans la banque d'affaires de Gotham. Je suis en train de m'y rendre. Beaucoup d'endroits où je peux pas aller. Mais je peux sortir. Vous êtes très cordialement. 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 Vous êtes très cordialement invité à boire le thé. Et c'est un superbe événement. 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 Et c'est un superbe événement qu'organise le Chapelier. On espère que vous pourrez venir. Pourrez venir. Pourrez venir. On espère que vous pourrez venir et que vous vous amuserez. Bien le bonjour, cher Batman. Je suis Jervis Tech, inventeur, entrepreneur et couturier à temps partiel. Tu dois te demander pourquoi je t'ai invité. Disons que j'ai une offre d'emploi dont j'aimerais parler avec toi. Si tu pouvais te présenter à l'adresse indiquée au dos de cet enregistrement, nous pourrions... Au secours ! À l'aide ! Si vous m'entendez, il va... Oh, ne te soucie pas de la pauvre Alice, elle est très perturbée. Qui pourrait le lui reprocher après ce qu'elle a vécu ? Mais je l'aiderai à retrouver ses esprits, ne t'en fais pas pour ça. D'accord. Alors, où est-ce qu'on va ? Ah bah voilà, tu me sors ma caméra. Ça c'est le mystère, ça c'est je sais plus quoi les mecs que je dois questionner. Ça aussi ? Ah, réserve d'armes du pingouin ça. Je sais plus combien de réserve d'armes, il y en a 3 je crois. Non, il y en a 5. Visiblement, il y en a au moins 2 là. Il y en a probablement de l'autre côté. Ah, le chapelier est là. Bien le bonjour, cher Batman. Ok, donc là, il accédait à la banque d'affaires. C'est au même endroit. Eh ben, allez. Et alors, tu veux pas me téléporter ? Pourquoi tu veux pas me téléporter ? C'est pas juste, j'affronte les flics et les méchants.
Du coup, ils font équipe, là. C'est quoi, ce délire? Continuez de vous taper dessus. Moi, ça me va, hein. Waouh, il m'a eu à distance, le mec. Putain, mais j'essaie d'en frapper un, il y en a un autre qui me tape dessus. J'essaie d'en esquiver, d'en assommer un. C'en est un autre qui arrive. Car ça me fait mal dans les poignets, moi, de devoir enchaîner, taper sans arrêt les mêmes boutons. Non, je suis mort. Oh, vous déconnez, les mecs. Oh, j'ai été mauvais, mais pas à ce point, si. Quand on avait l'occasion. Allez, les gars, aidez-moi à dégager cette ordure d'ici. Très sympa. Oui, échec de la mission, merci, c'est gentil. C'est gentil de me le faire remarquer, oui. Bon, et du coup, maintenant, oui, j'ai le droit de me téléporter. Bon, bah, on va se téléporter maintenant qu'on est mort, hein. On va éviter de recommencer la même connerie deux fois. Ah, yep. Attention, je ne veux pas d'accident. Tout doit être parfait. Bien sûr. Bien sûr, monsieur. Tu dois m'appeler monsieur tout le temps. C'est bien compris? Oui. Oui, si? Oui, je comprends très bien. Oui, je comprends, monsieur. Oui. Non, monsieur. Bien sûr. Non, oh, ça va me rendre fou. Je vais devoir améliorer l'interface nerveuse. La meilleure, c'est que ça marche. Vous m'écoutez tous. Pas aussi bien que vous le devriez. Mais c'est un début. C'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Personne n'a jamais voulu écouter ce brave Jervis. Il aurait tout aussi bien pu être invisible. Mais maintenant, maintenant, vous allez tous m'écouter. Parce que vous n'aurez pas le choix. J'espère qu'Alice se fait à cet endroit. Ah!
merveilleux. C'est vraiment un honneur de faire ta... Où est la fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Alice. Excellent. Alors tu sais pourquoi tu es ici. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris finalement. On va y remédier. Tic-tac, gare à l'horloge. Qu'est-ce que tu as fait? Et bienvenue au pays des merveilles, Batman. Oh, c'est là que j'ai rencontré Alice pour la première fois, tu sais. Ah, quelles belles aventures on a vécues. Mais ensuite, ils me l'ont enlevé. Ma pauvre petite Alice, seule et perdue. Je devais la retrouver, je devais la ramener, alors je l'ai fait. C'était un sacré voyage, tu peux me croire. C'est les sons près de moi. N'empêche, les hommes de la reine sont partout. Ils conspirent pour la reprendre. C'est pourquoi je t'ai fait venir ici. Pour protéger Alice, qui peut-on trouver de mieux que Batman? Tu as perdu tout sens de l'orientation. Où est l'entrée? Où est la sortie? Ciel! Oh, flûte! Par où dois-je aller? Regarde-toi, tu tournes en rond! N'oublie pas, la gauche est à droite et le haut est en bas. Où est-ce la droite en bas et la gauche en haut? Bonjour. Tu as réussi, mais ça t'a fatigué, pas vrai? Ta volonté en a pris un coup, n'est-ce pas? Tes pensées deviennent lourdes, tu as du mal à garder le contrôle. Bientôt, Batman, bientôt. Allez, on se reprend. Tout n'est pas que fleur et thé par ici. En fait, le pays des merveilles cache de vilaines créatures. Il fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Ne t'en fais pas, Alice est entre de bonnes mains. Un peu de tennis. Ne me touchez pas! Seigneur, on dirait que quelqu'un a oublié son savoir-vivre. Laquelle est-ce? Je m'en souviens pas.
pourrais te demander pourquoi je t'ai fait descendre ici. En fait, j'ai développé un appareil merveilleux. Il permet de se faire obéir. Sur les esprits faibles, il fonctionne très bien. Je colle ma création sur leur tête et, comme par magie, ils obéissent tous. Sur les individus plus forts, cependant, cela requiert de la persuasion. Et cela, mon ami, nous amène à notre affaire. Tu es mon Humpty-Dumpty, Batman. Ton esprit tombe en miettes. Et quand je recollerai tous les morceaux, alors tu seras à moi. Pour tous. Savais-tu que le temps bougeait dans 7 directions différentes ici? Mais tu es coincé dans l'une. En avant, toujours en avant. Oh, me sert à voir. Pourquoi n'essaies-tu pas d'aller en arrière? Selon mes règles. Comme Alice, fais ce que je te dis. Obéis-moi tout de suite.
Aidez-moi! Il le peut, il le fera. Il faut juste qu'il parte. Il le peut, il le fera. Il faut juste qu'il parte. Il le peut, il le fera. Il faut juste qu'il parte. En fait, tu deviens mon instrument. Ah, j'avais coupé mon micro, d'accord. Vous n'avez plus rien à craindre. Non. Ouais, j'arrête bientôt, Cyril. Hein. Je finis mon passage. Alors, comment je sors de là-dedans? Par la porte là? Compléter 30% de la base de données. Afficher les défis chevalier noir. J'ai gagné un point. Ah, faut finir les deux là pour avoir la suite. Ouais, bon. Bah j'ai commencé tard, c'est pour ça aussi que je live tard. Normalement j'aurais déjà dû arrêter. Hey, tuez-moi ce dingue. Oh, un truc par ici. Je t'en pose des questions. Mais pourquoi il a pas voulu faire mon grappin spécial? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah voilà, là tu veux le faire. Un peu merdé, mais je sais pas ce qu'ils foutent là, les mecs. Ok, la suite c'est par là. Ça fait combien de temps là? 45 minutes. Oh, allez, on va peut-être arrêter là. On a fait le chapelier fou. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. On continuera avec le chapelier fou. Il n'y a pas un petit crime là qui se déclenche? Si, mais tu vas te prendre une mordelle quand même. Butez-le. Derrière toi. On va trop vite. Hey. Dépêche-toi de te lever, j'ai pas que ça à faire. Bon bah si tu me déclenches pas un petit crime, on va arrêter là-dessus. Pas un petit crime que je me venge de tout à l'heure? Bon allez, on va se faire cela. C'est gratuit. Merde.
Oh putain, la caméra qui tourne. Sinon j'aurais pu continuer, hein, mais si elle tourne tout le temps... Et voilà. Allez, fais dodo. Voilà. Eh ben allez, on s'arrête là-dessus.